Merci d'avoir choisi ce programme. Après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que nous avons eu comme problème, comme difficulté, comme obstacle, jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Jusqu'ici, il est avec nous. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ce matin, on a commencé par cette très belle chanson. On peut dire Ebenezer. Ebenezer. Shalom. Maman Dorcas. Shalom, tonton Jaco. Shalom également à maman Laure et au shalom, pasteur Béni. Shalom, shalom. Shalom à toutes ces personnes qui nous regardent chez elles à la maison. On est ensemble, on va donc s'installer, comme dit tonton. Donc, Ebenezer. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé par ces cantiques, parce que c'est pour confirmer et affirmer qu'il ne nous a pas abandonnés. Il nous a secourus, il continue d'ailleurs à les faire. Raison pour laquelle on est là, encore une fois, chez vous, mesdames et messieurs, pour passer ces très beaux moments dans la présence de notre Seigneur. Encore une fois, ce numéro de ta grandeur, là où nous célébrons justement la grandeur de notre Dieu, le Dieu de Seigneur de toute gloire. Et d'ailleurs, notre invité, nos invités, ne sont même plus à présenter, du moins peut-être pour le pasteur Béni, mais lui, on le voit déjà à la télévision. On le voit déjà à la télévision. Maman Laure également, on la voit aussi. Ce sont nos invités aujourd'hui, ce matin, parce que nous allons parler aujourd'hui d'un thème encore important. D'ailleurs, tout ce qu'on se dit dans cette émission, c'est important. C'est toujours pour montrer combien notre Dieu est grand. Il est grand, il est... J'aime bien quand tu le dis en lingala. Azamonene.